Bien, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir à tous, vous êtes là, autour de Pierre Mazeaud et de ses amis, pour raconter une histoire qui va nous mener un tout petit peu haut, mais surtout qui va nous mener au cœur de quelque chose qui est très important dans l'alpinisme, qui s'appelle l'amitié. C'est une soirée qui réunit des amis et d'autres, et c'est vraiment ce plaisir qui s'appelle pour l'amitié, d'avoir avec nous des Everesteurs, on aura bien sûr Pierre et toute l'équipe de 78 qui participent. Et puis on aura d'autres jeunes qui ont réussi l'Everest. Vous les verrez les uns après les autres. Alors en attendant, pour ouvrir cette soirée, j'ai tout simplement appelé Monsieur le maire Éric Fournier de Chamonix-Mont-Blanc. S'il vous plaît, Monsieur le maire, et puis on aura donc les jeunes qui ont réussi. Merci Jean-Michel. Mesdames, Messieurs, chers amis, quel plaisir de vous voir tous réunis ce soir. Cher Pierre, vous savez y faire. Réunir autant de monde, autant de talents, autant de personnes qui ont marqué l'histoire de la montagne, quel talent. Cher Pierre, c'est un plaisir de vous avoir à Chamonix. Vous avez écrit certaines des plus belles pages de l'histoire de l'alpinisme, de la montagne, ici, dans ce massif, et en Himalaya. Alors je sais que, d'ailleurs, quelques surprises dans la soirée, je ne vais pas me risquer à faire en moins bien les hommages qui vont nous être rendus, vous dire simplement le plaisir qu'on a à vous accueillir, avec vous, évidemment, je remercie les éditions Paulsen Guérin de cette idée, Lorraine, il y a quelques mois, elle m'en parle. Je savais que ça allait être un succès, mais merci beaucoup, Lorraine, aussi, de cette idée. Avoir une pensée, évidemment, avec l'ensemble de l'équipe qui était avec vous en 78, Jean, Afanasieff, Nicolas, Gégère, Kurt, Niemberger, naturellement, les solitaires, et puis l'ensemble de l'équipe, je vous l'ai présenté tout à l'heure, qui sont également à vos côtés. Puis je sais qu'on aura aussi le grand plaisir ce soir, dans Jean-Michel disait des amis, oui, effectivement, d'avoir des gens ont participé à l'histoire de l'Himalaya, l'histoire de l'alpinisme, les gens de l'Expé 274, qui évidemment ici à Chamonix était une très très grande histoire, très très grande aventure. Eric Lasserre, Denis également qui est là, et puis tous les solitaires qui ont marqué cette histoire, cette belle histoire de la montagne. Évidemment, l'histoire de l'Himalaya et de Chamonix depuis 1950, et jusqu'à ces jours, elle est marquée de beaucoup de belles choses, parfois malheureusement de quelques drames et tragédies, en tout cas d'une grande histoire humaine. Cher Pierre, vous la symbolisez extrêmement bien. On sait vos talents de montagnard, d'himalayiste, d'alpiniste, et également vos talents de juriste, de constitutionnaliste. C'est vrai que moi j'ai toujours plaisir à parler avec vous, on se voit peu souvent, rarement, mais à chaque fois quel bonheur de voir le sage. Tout à l'heure, vous évoquiez l'analyse que vous aviez sur cette montagne contemporaine et sur le regard qui est porté sur maintenant la liberté qui doit s'y exercer, qu'on entend parfois un peu menacée. En tout cas, j'ai grand plaisir à vous accueillir au nom de la communauté montagnarde et chamonnarde et à vous dire, cher Pierre, merci beaucoup à vous tous et à vos amis. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Charles Michel, qui est le directeur éditorial de la Maison Guérin, célèbre maison d'édition à Chamonix. Bonsoir, merci d'être là, merci à Mairie de vous accueillir et d'accompagner cette belle soirée qui nous a fait chaud au cœur, qui a très bien commencé, je ne sais pas, pour ceux d'entre vous qui étaient déjà là, des moments déjà d'émotion, de rencontres assez étonnantes. Je voudrais dire un petit mot pour Jean-Michel qui va animer cette soirée, à quel titre il est là? C'est tout simple. En 78, Jean-Michel était déjà journaliste, il était à Pirandeau, et depuis il a fait quelques tentatives à l'Everest, donc il a un certain nombre de titres à être présent ici ce soir et à conduire cette soirée, ce qu'il va faire avec brio. Voilà. La soirée, c'est pour Pierre Mazeaud, ses compagnons, ses amis, l'amitié. Avant de passer à cette phase, je voulais dire un petit mot pour Marie-Christine Guérin. Je pense que beaucoup d'entre vous
la connaissent. Beaucoup d'entre vous savent qu'elle quitte son rôle aux éditions Guérin. Et pour tous ceux qui, pour tout cela, bah, je vous demande d'écouter quand même. Enfin, vous avez le droit d'écouter quand même. Je vais dire un petit mot. Donc, ça remonte pour moi, à un souvenir d'il y a 11 ans, au moment de la disparition de Michel Guérin. On a commencé à faire des petites réunions de comité éditorial pour se demander comment est-ce qu'on pouvait faire survivre cette maison. On était un peu désemparés. Marie-Christine avait plus de raisons que nous encore, d'être désemparés. C'était assez vertigineux de se demander comment est-ce qu'on allait réussir à faire vivre cette belle création de Michel, cette maison qui faisait des livres rouges et dont il était tellement pilier qu'on se demandait, en tout cas moi je voyais pas très bien comment est-ce qu'on allait pouvoir remplacer toutes ces fonctions qu'il occupait de façon absolument brillante. C'était l'homme orchestre, il faisait tout dans la maison. Et puis, Marie-Christine, si tu m'accordes cette petite métaphore, tu as mis le baudrier, tu t'es encordé, corde rouge évidemment, et tu as attaqué la première longueur, et finalement tu es parti sur la montagne, je dirais, pour chercher ta chance, avec un seul mot d'ordre, toujours rester dans le rouge. Enfin, pardon, toujours rester rouge. Tu as inventé, en partant sur cette voie, ta propre voie, je pense, où tu as renouvelé ce qu'on faisait dans cette maison. Tu as rencontré Frison Roche, le Trail, avec Bande Touraine. Tu as rencontré Ruffin, Kefelec, Tesson, des auteurs qui nous ont porté chance, qui ont accompagné ta chance, et dont ta voix a plutôt réussi à la maison. Enfin, je crois qu'on peut même enlever le plutôt, ta voix a réussi à la maison. Mais je crois que moi, personnellement, ce qui m'impressionne le plus, c'est que tu aies réussi à écrire un peu l'épilogue de cette histoire, sur un plan plus personnel, avec un petit livre que je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas lu, qui s'appelle « Des violons pour Monsieur R. » et qui est son épilogue personnel à cette histoire. Alors, je ne sais pas comment on dit, tu as choisi un recours bien mérité là, vivre d'autres aventures, mais vous, les Chamonnières, vous pourrez continuer à l'avoir passée là dans le ciel dans un hélicoptère, parce qu'elle a un projet pour nous, elle va continuer, Marie-Christine va continuer à écrire, et puis peut-être que tu peux, si tu veux venir dire quelques mots d'au revoir, mais je pense qu'on peut, pour moi aujourd'hui, la maison est dans de bonnes mains, adossée aux éditions Paulsen. La création de Michel est pérenne, elle est toujours en rouge. Et comme ceux qui sont, comme moi, très attachés à cette maison, je crois qu'on peut lui dire merci. Je suis un peu prise au dépourvu, mais je veux vous dire merci, évidemment, à vous, les lecteurs, qui êtes là encore ce soir et qui êtes toujours fidèles aux éditions Guérin, c'est extraordinaire pour nous. Vous dire que voilà, ça fait 25 ans que je baigne dans le rouge Guérin et qu'aujourd'hui, je suis contente d'être un peu en vacances à Chamonix, ce qui, vous le savez, est plutôt très très agréable, et que je n'aurais jamais décidé de partir si je n'avais été en fait rassurée sur le sort de cette petite maison à laquelle évidemment je tiens beaucoup. Rassurée pour plein de raisons. Alors d'abord sur le plan de la gestion de la maison, parce que Frédéric Paulsen en a pris les rênes, une maison d'édition, d'ailleurs Michel disait toujours que c'est une hérésie financière et que là, fort heureusement, on est un peu appuyé. Et puis surtout, alors le plus important de tout dans une maison d'édition, c'est l'éditorial. Surtout pour une petite maison qui est dans une niche comme la montagne, c'est pas facile du tout. Et jusqu'à présent, on n'avait pas trouvé la personne qui pouvait justifier que Christophe Reda et moi-même, on se sente un peu léger, déchargé de partir. Et en fait, c'est quand Charlie Buffet, que vous venez d'entendre, est rentré de Chine, où il accompagnait sa femme qui était correspondante pour Libération, qu'on s'est dit, mais voilà, c'est la bonne idée, il faut que Charlie revienne, parce qu'il était très proche de Michel Guérin, de mon mari. Michel avait énormément d'estime pour lui. En plus,
plus que ça, il a été pendant des années le correspondant du Monde pour la montagne. Donc je pense que les alpinistes le connaissent très bien, il est tout à fait légitime. Et puis, le plus important de tout, c'est que c'est un écrivain. Et que, voilà, on croit qu'il suffit de savoir lire et écrire pour être éditeur ou auteur, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Il faut bien autre chose, il faut comprendre comment se fait un livre et surtout comment se fait un bon livre. Et ça, Charlie, il sait le faire. Donc voilà, je pars sereine et très très heureuse de lui confier, de lui transmettre cette petite maison. Et on est très contents pour ça. Voilà, moi aussi, en tout cas, je suis très très touchée ce soir de vous voir, de vous parler, puis de vous dire que c'est Charlie Buffet qui continue. Voilà, merci. Je voulais raconter quand même, parce que quand on ne la connaît pas, la vie d'alpiniste de Pierre Mazon, c'est important. J'ai intitulé mon papier « La montagne, une sorte d'histoire d'alpin ». Alors Pierre Mazon, vous savez, a hissé le drapeau français à 1850 mètres le 15 octobre 1878. Il était en compagnie de Nicolas Jäger, de Jean Afanassieff et à la caméra, Kurt Diemberger filmait ce moment historique. C'était la première française sur le toit du monde, sur l'Everest. L'Everest, Chumuma, avait été gravi par les Britanniques 25 ans auparavant, en 53. Ou plutôt, par un Sherpa, Tenzing Norgay et un Néo-Zélandais, Edmund Laing. Dans le cadre d'une expédition dirigée par un officier né dans l'Empire des Indes, Henri Cecil John Hunt, baron Hunt de Lienfer Waterdyne. Depuis cette date, quelques 25 expéditions avaient foulé le sommet du toit du monde, mais pas de Français. Et pourtant, c'était bien les Français qui avaient ouvert le bal des Huit au Népal avec le succès de 1950 sur la Napurna. L'Everest qui avait failli tomber dans l'escarcelle des Suisses en 52 ne pouvait échapper aux Anglais. En effet, depuis 21 sur le versant tibétain, les Anglais s'étaient vainement exclinés sur les flancs du géant, osant même dépasser 8500 mètres sans même utiliser l'assistance des bouteilles d'oxygène. En mai 71, Pierre Mazon rentrait de l'Everest, déçu un peu et probablement un peu amer. Dans le cadre d'une expédition internationale menée par Norman Direnfurt, l'homme qui avait permis à Williamson et Tom Orbein d'accomplir la première de la Request de l'Everest en 1963, Pierre Mazon s'était retrouvé avec ses amis Yvette, Michel Boucher et Carlo Mori. Tous quatre avaient quitté l'expédition prématurément face à la mauvaise foi et au caractère quelque peu rocailleux de Don Williams, un Anglais qui, secrètement peut-être, ne souhaitait pas qu'Yvette Vaucher lui vole la gloire en devenant la première Européenne au sommet de la Bosse. C'était parti en août, et Pierre avait obtenu une autorisation pour 1974. Le sort avait en décidé autrement, puisqu'en 1973, Pierre rentrait au gouvernement et allait pendant 4 ans être l'homme de la jeunesse et des sports pour le gouvernement Messner, puis Chirac, sous l'ère Pompidou. Le hasard agit parfois étrangement, et Pierre échangeait son autorisation de 1974 avec l'autorisation de 1976 obtenue par un couple de jeunes chamoniards qui comptait dans ses rangs un certain Gérard de Voisson. On connaît le drame qui naîtra de ce négoce, puisque Gérard de Voisson, un surdoué qui s'était déjà confronté à la Napurna, mourra pendant son sommeil sous une avalanche avec 4 Sherpas. En 1976, toujours au gouvernement, Pierre Mazon renoncera une fois de plus à l'Everest jusqu'à cet automne 1978, où, à l'aube de ses 50 ans, il se joindra à une équipe allemande menée par Karl Maria Ehrlichhofer. Ehrlichhofer, le docteur Ehrlichhofer, c'est l'homme qui a permis à l'Autrichien Hermann Bull de se dresser seul au sommet du Nanga Parbat en 1953. Pierre imagine alors le beau symbole que constituerait une équipe franco-allemande ensemble au sommet. La réussite sera au rendez-vous, mais avant le récit épique, il faut revenir en arrière, car si l'Everest est une sorte de point d'orgue dans la carrière de Pierre Mazon, cette ascension ne résume pas, loin s'en faut, le très beau et complet récital qu'interprétera Pierre dans sa belle vie d'alpiniste. S'il est né à Lyon, c'est à Grenoble, dans les massifs de Chartreuse, du Vercors et de Belledonne, que Pierre fit ses premiers pas en montagne. Avec son père, jusqu'à l'âge de 16 ans, il se frottera au calcaire du Mont-Aiguille ou des Trois-Pucelles.
En 49, il découvrira enfin la grandeur et la beauté de Chamonix et de ses massifs. Le service militaire, comme il se doit à l'ELHM, puis, pour le concours de la magistrature, Paris, où le jeune juriste découvre Blot, quel que soit, mais plus que La Roche, c'est la rencontre de compagnons exceptionnels, tous fous d'escalade, de verticalité, festifs et audacieux, parfois insolents, iconoclastes, qui va construire sa propre passion. Ils se nomment Parago, Berardini, Coleman, Veil, Coucy, Des Maisons et tant d'autres avec qui il partagera l'esprit de cordée, l'esprit de joyeuse cordée. À Chamonix, à l'hôtel de Paris, on rit beaucoup et les conquêtes ont parfois des douceurs autres que celles du granit. C'est une époque où on peut encore boire et fumer, sans ajouter avec modération. C'est aussi une époque où on grimpe le sourire aux lèvres, c'est le temps des copains. Bien sûr, on pourrait énumérer la liste de courses effectuées par Pierre et ses amis. Une avalanche de noms, briquettes alors comme des phares, aiguilles du plan, la cinquième ascension du Pic Vadille, la noire de Peutrelle, la traversée des aiguilles du diable, la comitia à cima grimpée dans les Dolomites, la cassa à la cima ouest, la cousine dans la face nord surplombante de la cima ouest, le pilier nord des grands, nord-ouest des grands Charmouses, la face sud du Pouce, l'aiguille du Pain, le couloir nord du Pic Saint-Gallo. Mais ces sommets comptent-ils autant que les compagnons avec qui Pierre s'y est installé? Bernard Lagesse, Jean Coucy, René de Maison, Pierre Coleman, tant et tant d'amitiés, plus solides que le rocher parfois sur lequel s'accomplissaient leurs exploits. En 61, ce sera la terrible tragédie du Freinet. Ils seront sept en perdition sous l'orage du juillet, alors qu'ils s'ouvraient une voie majeure sur le pilier central du Freinet. Pierre fait alors cordée avec Pierre Coleman, Antoine Veil, Robert Guillaume, et les Italiens Walter Bonatti, Andrea Eugenie et Roberto Gagliani les ont rejoints. Mais l'orage va les briser. Lors d'une retraite épouvante, seuls Walter Bonatti, Roberto Gagliani et Pierre Mazo survivront. Ce drame marqua à jamais les esprits et forgera une amitié sans faille entre Pierre Mazo et Walter Bonatti. Et de toutes ces aventures, c'est bien le bénéfice fort de l'amitié qui l'emportera. Pierre Mazo va se faire fort également de jouer cordée, de nouer cordée avec des Allemands, des Italiens, des Américains, des Suisses ou des Autrichiens. Rien d'étonnant à ce que Lothar Brandler ait choisi pour son film La cordée européenne, dans lequel Pierre grimpe avec Roberto Sorgato et Vido Ender. Oui, l'alpiniste a rimé avec l'amitié le chapelet des amis, qui compte malheureusement bien des absents, raconte à lui seul les plus belles pages de l'alpinisme de l'après-guerre. Que de noms au palmarès de la mémoire de Pierre et que de grandes et belles histoires de montagne. Sans ordre ni raison, on peut dégrainer cette playlist magnifique. Pierre Coleman, Antoine Veil, Robert Guillaume, André Adjouni, Lucien Berardini, Robert Parago, Michel Vaucher, Yvette Vaucher, Jean Coucy, René de Maison, André Contamine, Georges et Sonia Vivanos, Walter Bonatti, Ignazio Cuzzi, Roberto Sorgato, Hans Engel, Lothar Brandler, Lionel Terrel, Louis Lachenal, Tony Belair, John Armin, Nicolas Jäger, Raymond Despio, Gary Henning, Claude Deck, Jean Afanassiev, Kurt Kienberger, Walter Sekinez, Jacques Herto, José Giovanni, Carlo Maori, Tony Kinshofer et tant d'autres. Mais plus loin, il faut parler du sens. Pas seulement celui de l'exploit et de l'alpinisme, mais celui de la raison de l'alpinisme. Et c'est les paroles de Pierre Mazo. Notre passion, écrit-il, dans Montagne pour un homme nu, est plus forte que tout, même que notre amour pour nos épouses. Pourquoi sacrifier sa vie? Inutilité. Voilà la grande question qui n'a que des réponses stupides de la part du public. Il n'y aurait aucune justification dans la mort de l'alpiniste. Si le sien devise aux obsèques de Lionel Terray a précisé que la vraie justification, c'est la valeur humaine, c'est l'homme tel qu'il est, il ne s'agit pas d'être conquérant d'inutile, mais bien au contraire, conquérant de l'utile. L'alpinisme fait de la montagne pour lui-même, mais aussi pour les autres. Et il ne sera point héros de légende, mais simplement héros de vérité. Excusez-moi. La compétition, disait Ekmer, le vainqueur de la guerre, n'est pas l'âme essentielle de l'alpinisme. Je compléterai en disant qu'elle ne peut l'être, car la montagne doit être envisagée dans ses possibilités innombrables et incomparables. C'est bien à la richesse de l'alpinisme, mais non à la seule vue d'un chronomètre, comme pour d'autres sports. Il y a nos morts et il y a nos amis. Leurs portraits me parlent chez moi, eux sont irréprochables. Est-ce la mort qui accorde un tel privilège? Grande solidarité alpine dans le drame.
dans ce souvenir. Surtout, pensez qu'il n'y a pas de conclusion, que la montagne, comme toute la vie, est là, qu'il faut la prendre, l'aimer. La montagne, une part de soi-même. C'est ainsi que le 15 octobre, l'Everest accordera toute sa bienveillance à Pierre, Nicolas, Jean et Kurt. Ils vivront un des plus beaux jours de leur vie à 8850 mètres. Après l'Everest, d'autres montagnes viendront s'y hisser dans l'emploi du temps énergique de celui qui fut président du Conseil constitutionnel. Les cachers Bundel, en Anga Parbat, Pierre Mazot, que ses copains de l'Everest nommaient affectueusement le vieux, a cultivé ses amitiés, ses fraternités. Aujourd'hui, avec tous, il vient d'une fois de plus témoigner que l'alpinisme possède une dimension existentielle. Écoutons sa voix encore une fois. L'Everest est là. Mais est-ce une raison suffisante pour le gravir? N'est-ce pas de l'orgueil tellement gratuit? Ce sont là des questions inspirées par la faiblesse et la lâcheté. Comment aurions-nous pu, les uns les autres, faire autant de montagnes, l'aimer ainsi passionnément, malgré les années qu'il nous a pris, si c'était uniquement par orgueil? Il entre de l'orgueil dans notre démarche, oui, mais il y a tant d'autres sentiments, tant d'autres motivations. Seule parfois la souffrance peut nous faire hésiter. Alors le souvenir de nos camarades disparus nous rappelle les réalités. Ils ont donné leur vie, non point par orgueil, mais par amour pour ce qu'ils faisaient, par goût du risque et aussi pour l'ivresse de vaincre. Merci à vous, Pierre. Nous avons une petite surprise parce que Kurt Jemberger, qui tenait la caméra en 1978, n'a pas pu venir, mais il a adressé un message à Pierre Mazot que Charles Dufay a oublié. Alors, je vais vous lire le message de Kurt, mais puis ensuite on va faire venir Pierre quand même, il serait temps. Hein. Donc, un petit message rapide, Kurt Jemberger. Cher Pierre, il y a dans la vie, j'ai remis un petit peu des trucs en français parce que parfois c'était un français un peu rocailleux. Il y a dans la vie de chaque homme de grands moments qu'il n'oubliera jamais, et je pense que pour nous deux ensemble, c'est le sommet de l'Everest. Au-dessus, les espaces sans limite du Tibet, à nos pieds. Pardon, excusez-moi. Les espaces sans limite du Tibet à nos pieds et embrasser du bonheur d'un ciel blanc, c'était enfin notre. La scène bleue énorme au point culminant d'une journée excellente, nous avons dit l'Everest c'est notre Mont Blanc. C'était enfin notre Mont Blanc et nous avons voulu escalader ensemble déjà depuis plusieurs années. C'était un rêve et maintenant, ici, c'était la vérité. Fluctua et Nectabitur était écrit sur le fanion avec le bateau de Paris que tu as fait faire flotter au vent. Pour nous tous, Jean, Nicolas, toi, moi et tous les autres de l'expédition française de 78, les premiers Français sur le toit du monde. Vraiment, je suis autrichien, mais ce jour d'octobre, il n'y avait pas de frontières. L'Everest, c'est notre Mont Blanc. Je t'embrasse, Kurt. Tu vas demander à Pierre de venir sur scène. Parce qu'il me concerne,
pour l'Everest, il n'en demeure pas moins que tout en se demeurant tel, il se modifie quelque peu. Je vais résumer en disant que c'était une aventure exceptionnelle, nous avons eu beaucoup de chance, mon seul regret d'ailleurs, le 15 octobre 1978, c'est que l'ensemble de l'équipe n'ait pas pu aller au sommet, alors qu'elle a participé autant que moi-même, que Nicolas, que Jean ou Kurt. C'était un regret. Ceci dit, le regret aussi s'estompe peu à peu. Je les retrouve ce soir. Cela suffit amplement à mon bonheur. Merci. C'est une expérience dans laquelle il s'est passé quelque chose d'un peu particulier. Parce que tu l'avais monté seul, tu n'as pas demandé d'aide de l'État, et en revanche, tu as eu une idée qui était géniale, c'était celle d'associer pour la première fois dans une expédition des médias, TF1 en l'occurrence, qui avait envoyé 3 envoyés spéciaux, et Radio France. Et c'est eux qui ont en partie financé cette expédition. Oui, bah effectivement. Je ne souhaitais pas demander de l'argent ni aux collectivités locales ni à l'État, dans la mesure où j'avais été moi-même quelques années auparavant secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Mais, comment dirais-je, l'opportunité s'est présentée, que j'avais beaucoup d'amitié avec Henri Marthe, de la seule chaîne qui existait encore à l'époque, et puis je connaissais bien également la responsable de France, Radio France, France Inter. Alors elles ont été comprises, ont été conquis l'un et l'autre par le projet que nous avions d'aller à l'Everest. Et j'ai donc su qu'on pourrait, avec quelques compléments certes, avoir l'argent nécessaire pour mener cette expédition. Et mon ami Cotec, dont je me félicite de voir la présence ce soir à nos côtés, eh bien, c'est chargé avec l'argent que je lui apportais. Il trouvait toujours qu'il n'y en avait pas assez. Non, il s'est arrangé en très bon organisateur de faire tout nécessaire pour qu'on puisse partir, aller enfin à Katmandou et de là au camp de base de l'Everest. Alors, l'Everest, c'est aussi un casting. C'est-à-dire qu'il faut embaucher des grimpeurs, des amis qui viennent avec toi sur ce toit du monde. Comment s'est opéré ce fameux casting? Anglais. Je suis d'accord. C'est pas le casting, moi c'était de trouver des amis que je connaissais et puis qui pourraient nous accompagner. Alors je les connaissais tous. Si on cherche la raison pour laquelle j'ai emmené Jean-Raphaël Assieff, c'est parce qu'il nous avait étonnés par des succès incomparables en montagne et notamment quand il avait 16 ans, la fameuse réussite. Des Jorras en solitaire. Et puis on avait grimpé en bus après, avec Michel, son frère, avec lui-même, d'abord dans les écoles d'escalade parisiennes, au Saussois notamment, et puis à Chamonix, au Gard, dans d'autres massifs. Pour ce qui est de Nicolas Gégère, si je ne le connaissais pas, je connaissais son palmarès, que je n'avais pratiquement jamais rencontré. Mais son père était un de mes amis. Son père était très lié au grand cinéaste Buñuel, avait d'ailleurs joué dans quelques films de Buñuel. Et son père m'avait demandé une fois chez Castel, dans une boîte de Saint-Germain-des-Prés, « Pierre, tu pars à l'Everest, tu devrais emmener Nicolas. » Ben, j'ai dit oui. Nicolas, ma mère, à l'Everest, c'était exceptionnel, était un alpiniste hors pair. Et puis après, c'est Kinel. C'est Kinel, c'est pas la peine de l'entendre parler ici, tout le monde le connaît. C'est une force de la nature. On va le faire venir. Et je lui avais promis de venir à l'Everest. Il était enchanté. Et puis ce bougre-là fait de l'école de glace et il se casse les chevilles. Et il va au CHU à Grenoble. Et puis je vois ces docteurs qui me disent, vous savez, c'est quand même très grave, il en aura pour quelque temps. Je rentre quand même dans sa chambre et je lui ai dit, de toute façon, je t'ai dit que tu viendrais, tu viendras. Il est venu. Il s'est conduit d'une façon tout à fait exceptionnelle, il a souffert le martyr. Enfin, il
S'il n'avait pas été là, on n'aurait pas réussi. Il nous a monté pratiquement jusqu'au col sud et il a fait plus que ce qu'il avait à faire. Voilà, c'est ça, les copains, c'est ça ce que j'ai aimé. Puis il y en a d'autres. Et avant l'ami Claude Deck, je suis tellement heureux de le voir ce soir. Eh bien, Claude a fait un boulot d'organisateur. D'abord, il m'a supporté. C'était déjà considérable. Parce que des différents temps d'altitude, quand lui était au camp base, je ne cessais de l'engueuler. Il me disait, oui, Pierre, mais calme-toi. On fera le nécessaire et quoi que c'est. Alors, je m'adresse ce soir à lui particulièrement parce que je lui demande pardon. Qui était un peu insupportable et qui s'est avéré, en dehors de ses qualités de montagnard, d'alpiniste, qui s'est avéré un excellent médecin, non seulement d'ailleurs pendant l'expédition ou la fin de l'expédition elle-même, où il a joué son rôle, mais également pendant toute la marche d'approche, où il a soigné, je veux dire, avec beaucoup de dévouement, énormément de gens du pays, des Népalais malades, des Népalaises malades. Il a même opéré certains jeunes Népalais et il l'a fait avec succès. Je veux dire que bon, l'équipe de copains était complète, voilà ce que je peux dire. Alors le mot copain, ça m'a frappé quand on s'est vu, Pierre, pour préparer cette réédition du livre, donc RS78, parce qu'il y a un film, mais il y a eu aussi ce livre que vous avez écrit à chaud, hein, très vite après. Et finalement, je pense qu'on sent que c'est pas de la triche, le mot copain, le mot amitié. Il y a des engueulades, hein, souvent, c'est pas qu'à l'Assemblée, c'est aussi. Mais ils sont de gens différents. Bon. Donc des engueulades d'attitude, mais il y a aussi beaucoup d'amitié. Et c'est un mot qui revient dans la parole, c'est un mot qui revient dans le livre. Et donc on a choisi de vous lire quelques petits extraits de ce livre pour accueillir, puisqu'on a la chance d'avoir des. Il y a un certain nombre de participants, beaucoup de participants des RS78 réunis actuellement ici. Et donc on va les accueillir avec le petit passage du livre qui les concerne et qu'on va vous lire à chaque fois. Donc, je vais arrêter d'abord à Walter Sekinel de venir nous rejoindre sur cette estrade. Âgé de 32 ans, guide de haute montagne, professeur à l'École nationale de ski et d'alpinisme, Walter était et reste toujours l'un des meilleurs alpinistes français. Donc c'est le portrait en 78 par Pierre Mazor. Force de la nature, il est l'auteur d'une dizaine de très grandes premières, comme la face nord directe du pilier d'angle et le couloir nord-est des Drues. Également d'un très grand nombre d'hivernales. En juillet 77, un an avant l'expédition, ce que Pierre racontait à l'instant, il eut un accident très grave, fracture des deux chevilles. Ses médecins n'envisageaient qu'un rétablissement à très long terme, mais je n'ai pas douté un instant qu'il nous accompagnerait. Et je crois pouvoir dire que c'est l'Everest et son désir profond de le gravir qui aida à sa guérison spectaculaire. Mais quel calvaire que cette marche d'approche, où avec ses bâtons de ski, il allait clopinant. Le boiteux, disait-on. Eh bien, ce boiteux, je l'avais vu l'avant-veille de notre départ, en fait, sur la vallée blanche, faisant des efforts surhumains, et j'avais compris que c'était Walter Sekinel, tout simplement un homme. Je pense que maintenant, on peut leur laisser la parole. Walter, c'était dur, cette marche d'approche, qui était derrière tes masques. C'est pas ça. La marche. Tu sais. Au départ de la manche d'approche, on m'a surnommé Clopino, gentil Nicolas. Et Pierre m'avait pris avec lui dans sa tente, ce qui fait que j'arrivais toujours 2-3 heures après tout le monde. Bon, normalement, des ronds de chapeau, puisqu'en fait, j'avais un mal épouvantable à mes chevilles. Et le troisième jour, j'arrive dans la. En pleine douceur, il tombait des cordes. J'arrive dans ma tente, je m'écroule au poil de fier et je fais coup de pierre. Pour moi, c'est pas possible, je ne peux pas continuer. Fais-moi venir en hélicoptère, demain je rentre en France. Il m'a répondu, d'accord, mais demain, on t'amènera à Loudjar, dans le chemin du Cambodge. Et le lendemain,
Je me suis déchargé de tous mes appareils photo, je les ai portés par un gamin. Et Pierre s'est obligé de marcher derrière moi, à bête derrière moi, parce que j'avais un mal de chien quand je m'arrêtais, une douleur épouvantable. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés au Cambad. Je peux dire que Pierre m'a porté moralement sur ses épaules au Cambad. Par exemple, quand je voulais m'arrêter, t'arrêtes pas. Si, je fais un truc, t'arrêtes pas, je te dis. Et après ça, donc, j'ai eu la chance de participer au va-et-vient de l'expédition. Bon, mais il se trouve que c'est tombé comme ça. C'est moi qui ai installé le camp 1, qui ai installé le camp 2, qui ai installé le camp 3. Mais en tout cas, pour moi, ça aurait été une aventure extraordinaire d'amitié. Oui. Merci. Merci Walter. C'est normal. Walter, lui c'est plus que mon frère. Voilà. Walter, comment vous êtes rencontré la première fois? Je me faisais les yeux tout le long des rues et le ski au grand montait. Et au bar du restaurant, Pierre skiait avec André Contamine. Et André Contamine lui dit, je te présente comme des rues. Ah bon? À l'époque, Pierre était mon... J'étais pas fan de ça, c'était mon ministre de tutelle, en fait, puisque c'est lui qui le grand chef. Le surlendemain, il me téléphone, il me dit, écoute, je ne te demande pas de réponse tout de suite, réfléchis bien, est-ce que ça te dirait de m'accompagner à l'Everest en 1976? Et je réponds aussi, écoute, c'est pas la peine de réfléchir, c'est d'accord. Et voilà. L'affaire était lancée. On va et après ça, donc, on en a parlé tout à l'heure. Après mon accident, donc, le lendemain, donc à l'hôpital de Grenoble, il y a une parole dans sa ministre, tu te démerdes, tu viens quand même. Tu te démerdes, tu viens quand même. Quoi, Pierre, je peux plus, tu te démerdes, tu viens quand même. C'est une rééducation extraordinaire. Tu te démerdes, tu viens quand même. Ça fait plus, ça fait. Moi, je vous propose qu'on vienne sur scène d'autres personnes qui étaient avec vous lors de ces expéditions. On va faire un club deck si vous voulez nous rejoindre. Ça nous fera très plaisir. Est-ce qu'on va... On va lire un des petits passages du livre de Pierre, mais est-ce que je peux juste quand même poser une question à Walter avant qu'on y revienne après? Parce que moi je suis quand même, une fois qu'on a entendu cette marque d'approche assez terrible, comment est-ce qu'on arrive à monter jusqu'au col sud, hein, c'est ça? Comment on fait? Avec un tout petit peu de volonté. Non, et puis c'est vrai que donc le 12 septembre, réunion au camp 2 à 6004, donc Pierre Mazot, Jean-François Nassef, Nicolas Gégère, Kurt Dinberger, Destio et moi. Et Pierre nous fait, écoutez les gars, demain, on fait la dernière tentative sur la pente, demain on rentre en France. Et le cœur a répondu, oui, chef. Donc, demain, je pars avec l'équipe Mayer. Et donc, Jean, Nicolas, Raymond et toi, vous arrêtez au camp 3 allemand. Pourquoi? Parce qu'au camp 3 français, il y a une avalanche qui est dépassée dessus. Et donc, la nuit se passe. Moi, je peux dire que je n'ai pas fermé les yeux de la nuit parce qu'en fait, j'étais dans le wagon. Qui allait à l'Everest. J'étais dans le wagon. Vous savez, c'est très important d'être dans le bon wagon.
Souvent, il faut être malade un jour pour sauter son tour puis pour partir le lendemain. Et le soir, à la radio, Pierre me dit, écoutez, si vous montez tous, on va passer d'oxygène pour tout le monde et passer de temps pour tout le monde. Il n'a cité personne. Moi, avec mon handicap, il était un peu logique que je redescende. Et surtout, le lendemain matin, donc, j'enfile mes survêtes, j'ai eu l'impression, parce que c'était purement dans ma tête, que ma cheville gauche, la plus atteinte, était insensible. Et là, vous avez le spectre d'amputation qui vous passe devant les yeux. Et Raymond Pereira me fait, écoute, moi, j'étais malade toute la nuit, je redescends. Allez, je viens avec toi, Raymond. Et là, vous tirez un tas sur l'Everest. Effectivement. Alors, je crois qu'on peut quand même applaudir la performance, oui. Parce que juste pour... un an après un accident grave, je pense que c'est un exemple de rééducation qui est peut-être à proposer. C'était de la rééducation forcée, puisque dans le film de l'Everest, on va marcher au début, puis on va marcher à la fin, donc ça a fonctionné. Bravo. Alors, on continue à présenter nos invités avec les textes d'époque, vintage de Pierre Mazeaud. Claude Deck. Durant le week-end au Saussois, école d'escalade chère aux Parisiens, j'avais en 1973 fait connaître mon projet à Claude Deck, alpiniste de valeur, excellent organisateur. Il avait déjà participé à plusieurs expéditions. Je lui proposais d'être mon adjoint et de s'occuper avec moi de toute la préparation. Claude était un camarade de longue date qui avait su souffrir en montagne, notamment lors d'une ascension tragique de la Mallorque. Il avait attiré l'attention des grimpeurs des Dolomites quand il avait fait la seconde française du Dièdre Philippe Flamme à la Chiesa. Président du groupe de haute montagne, il jouera un rôle important pour calmer certains esprits qui ne voulaient pas la réussite de notre entreprise, un peu à l'instar de ces spectateurs sportifs qui ne souhaitent que l'échec des représentants de leur pays. Durant toute cette longue période fastidieuse de préparation, il va avec acharnement mener à bien la conduite des opérations, supervisant tout du siège social de notre association d'Everest 78, qui n'était autre que l'une de mes permanences de parlementaire à Châtillon-sous-Bayonne. Oui, je peux dire un mot. Qu'est-ce que vous faisiez dans une permanence et quoi? Que faisiez-vous dans cette permanence pour organiser cette expédition? Organiser tout. Oui, tout. Bah oui. Je sais pas, il faut s'organiser. C'est assez compliqué. C'est une affaire assez compliquée. Ouais. Oui, c'est compliqué. Mais moi, je voulais seulement dire autre chose. Ce qui est en gros, et je vais reprendre une chanson des footballeurs français, ils ont mouillé le maillot, c'est mes gars. Voilà. Parce qu'il fallait quand même partir dans un temps incertain et sans l'énergie de Pierre, on n'aurait pas forcément atteint le sommet. Ouais. Voilà, parce que imaginez bien qu'à ce moment-là, le moral était un peu bas, on n'avait pas le gros moral, il ne faisait pas très beau, et Pierre est parti dans des conditions incertaines et il entraînait tout le monde là-haut. Ouais. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, c'est que vous n'êtes pas parti avec la bénédiction de tout le monde à l'Everest. Il y avait des jalousies un peu, qu'est-ce qui se passerait? C'était... Évidemment. Évidemment. Parce que c'est très compliqué, le comité de l'Himalaya, à l'époque, avait toujours refusé de se diriger vers l'Everest, qui leur avait échappé à l'époque. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le président du comité de l'Himalaya à l'époque pensait à sa chance, mais juste après les Anglais. On avait l'autorisation, les Français, le grand comité de l'Himalaya à cette époque-là, ils avaient l'autorisation d'aller tout de suite après les Anglais. Une fois que les Anglais ont réussi, ils ont dit trop vert, dit-il. Et après, quand ils nous ont vu organiser quelque chose sous l'initiative de Pierre, il y a eu, oui, des gros jalousies, il faut le dire. Ouais. Mais bon, c'est tout. Bien normal, quoi. C'est presque un peu normal. Ouais. Parce qu'ils ont compris que c'était quand même un challenge d'être
êtes toi les premiers sur les restes. De ces jalousies, tu les as surmontées. Voilà. Tu présentes Jean-François. Alors, notre dernier invité qui est arrivé, on remercie beaucoup ces trois compagnons de Pierre d'être venus à Chamonix. C'était pas évident. Lorraine a beaucoup donné pour qu'on y arrive. Et donc Jean-François Mazot, tel que Pierre le décrit en 78, il nous fallait un médecin ayant quelques connaissances de la montagne. Je n'ai pas eu à imposer mon neveu Jean-François. La façon dont il s'est consacré à la préparation de l'expédition l'a imposé à toute l'équipe, heureuse de pouvoir opposer le vieil oncle au jeune neveu. Il n'a que 25 ans, sujet de nombreuses conversations pendant la marche d'approche où le respect n'était plus de mise. Son dévouement, sa gentillesse et pourquoi ne pas dire son charme, ce qui lui vaut de nombreuses amitiés, notamment féminines du côté du club méditerranéen ou de Tahiti en Grèce. Il est parfois ce gentil organisateur de plongée sous-marine. Aussi sa jeunesse, dont il a tous les défauts, en font un garçon attachant. Des défauts, il en a. D'abord, Mazot dans l'âme, il prétend toujours tout savoir. Il est pourtant certains domaines, je le sais, où l'expérience du vieux, son oncle, moi-même, lui serait bien utile. Mais ses défauts, on les lui pardonne, car il est vrai qu'il est émouvant, ce jeune toubib, quand il sauve un gosse de 2 ans en l'opérant dans des conditions inimaginables, durant la marche d'approche et devant une mère apeurée et pleurant. Ce portrait de votre oncle, prenez-lui coup. Il est là, je peux rien dire. Ah, si. Non, c'est ça, mais je vais assagir en grandissant un petit peu. Mais c'était une chance pour nous. Nous étions deux médecins. Parce que oui, quand on a germiné ses études de médecine, on était super bien équipés et on a pu, après longue préparation, travailler aussi bien sur la population locale que pour les alpinistes plus tard. D'ailleurs, les alpinistes n'ont pas eu beaucoup de problèmes. C'était un Sherpa 6400, on va être obligé d'en dormir. Mais au cours de la marche d'approche, on finissait même à partir de la colonne et à faire des visites, un peu de chirurgie dans tous les petits villages. Et c'est une expérience extraordinaire. C'est une expérience qui vous a enchanté, puisque vous êtes reparti avec votre oncle plusieurs fois. Tout à fait. C'était, alors pour ce qui est des assistances, des populations locales, c'était plus difficile au Pakistan, paradoxalement, parce que vous pouvez soigner très bien les hommes dans les villages, mais ils vous amènent, je suis désolé de le dire, mais ils vous amènent les femmes et les filles quand elles sont vraiment en train de mourir. Et pour nous, ça nous a beaucoup choqué, ça. Au Pakistan, par rapport au Népal, qui est un pays joyeux, c'est beaucoup plus facile de faire un médecine au Népal qu'au Pakistan. Bien sûr. Oui. Effectivement. Et Pierre, c'était important qu'il y ait comme ça, dans une expédition de cette envergure, un médecin en qui vous ayez toute confiance. C'est quelque chose qui vous a beaucoup apporté. Il faut mieux. Non, je pense à un bon médecin, puis il y avait Nicolas aussi. Mmh. Je veux dire, aujourd'hui, certaines expéditions peuvent concevoir ne pas avoir un médecin parce que ce sont des expéditions très rapides. Tandis que là, nous étions il y a quand même 40 ans, c'est des expéditions qui prenaient plusieurs mois. Donc il vaut mieux avoir un bon médecin, enfin un médecin, si possible, un bon, voire même le meilleur. Très bon. Mais vous vous rappelez quand même que la marche d'approche d'aujourd'hui s'effectue en une petite dizaine de jours. À l'époque, vous prenez quasiment 3 semaines. Ça, oui, un peu. Ouais. 21 jours. Oui, c'est une autre aventure. Monter descendre, le fameux Palais Palais. Il y avait du plaisir, c'était très bien de faire ouest-est et de le croiser la ligne de partage des eaux. Descendre,
monter le matin, descendre l'après-midi pour rejoindre les pensions. Et on avait une forme physique tout à fait spectaculaire à la fin de cette période-là. Mais ça, c'est pas l'acclimatisation en altitude qui a commencé à faire itchy à 3600. Et là, on montait, on descendait. On avait bien travaillé ça, on ne connaissait pas très bien, hein, Nicolas et moi, on avait bien bossé sur ces... Parce que, on avait l'expédition anglaise de Houston, américaine de Houston, qui avait écrit un bouquin de physiologie haute altitude. Et on s'est inspiré de ça pour faire les plans de d'acclimatisation. Alors, il y a une histoire un peu curieuse qui s'est passée ce soir, c'est que un monsieur allemand qui était dans l'expédition d'Eric Koffer, eh bien, venait par hasard chez Rémi avec son fils pour un anniversaire, il a vu l'affiche et il était avec nous dans cette salle, on peut l'applaudir, il s'appelle Martin Rick, et c'est incroyable. Dans cette expédition avec qui vous partagiez l'autorisation. Comment ça se passait justement avec les Allemands qui étaient à vos côtés et qui sont également montés au sommet de l'Everest, je crois, la veille, pour ça. Oui, moi ça s'est très bien passé. Je l'avais rencontré donc Erling Koffer. On est tombé tout à fait d'accord pour faire deux expéditions un peu séparées, mais allant à l'Everest ensemble. Bénéficiant donc l'un et l'autre des autorisations qui avaient été données. Et pendant toute la durée des expéditions, ça s'est très bien passé. Une très grande entente entre les Allemands et les Français. Et on l'a souvent grimpé entre Français avec des Allemands et réciproquement. Donc je veux dire que je n'ai eu qu'à me féliciter du travail de l'équipe d'Eric Koffer. Et d'ailleurs, Engelek est allé au sommet avec Ilmaier. D'excellence alpiniste, les autres aussi, d'ailleurs j'en ai retrouvé d'autres dans d'autres expéditions ou d'autres grandes ascensions, notamment dans les Dolomites. Et Ilmaier et Engelek, je les ai emmenés en 82, c'est-à-dire 4 ans après, au Langa-Parbat. Que vous est venu, Pierre, ce goût de grimper avec justement des Allemands, des Italiens, des Anglais, etc. C'était une sorte de manifeste européen que vous voulez ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse taxer Pierre Mazeau d'un manifeste européen. Enfin, ne rentrons pas dans les débats. Je vous dis. Ne traiterait certainement pas ici. Encore qu'aujourd'hui, on puisse se poser certaines questions. Mais non, je dois dire que j'ai toujours souhaité grimper en dehors de mes amis français. Dont j'ai perdu évidemment ceux qui m'étaient les plus proches au pilier du Fresnay. J'avais donc eu l'occasion de rencontrer Bonatti et j'ai voulu grimper avec des étrangers. Parce que par là même, je voyais des motivations et une conception différente qu'on pouvait avoir de l'alpinisme. Ce qui était tout à fait très important. C'est ainsi que j'ai grimpé avec beaucoup d'Allemands, Kinsoffer, Hibler, que j'aimais beaucoup, qui sont morts l'un et l'autre d'ailleurs. Mais j'ai grimpé avec des Américains, notamment John Harlin. J'ai grimpé avec des Suisses, naturellement, enfin, etc. Il y a peut-être qu'avec les Anglais, j'avais quelques difficultés, ça je le reconnais volontiers. Encore que j'avais certains amis, il y en a un qui vient souvent à Chamonix ou à Corbeil-Essonnes. Mon ami Ruggiero le reconnaîtra, c'est Doug Scott. Doug Scott, que j'avais déjà rencontré en 78 à l'Everest, anglais, mais avec lequel j'ai gardé beaucoup d'amitié. Non, mais j'ai souhaité connaître, non pas des conceptions profondément différentes, des motivations profondément différentes, mais quand même des nuances avec l'alpinisme ou les alpinistes français. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et en plus, comme il m'arrive de parler beaucoup dans la vie, c'est vrai, on a raison de le reprocher, j'ai grimpé précisément avec des alpinistes qui ne comprenaient pas un mot de français et moi, pas un mot de leur langue. Comme ça, c'était la solitude la plus complète, car en dehors de l'amitié, je veux dire que je retire une très grande satisfaction de la montagne, c'est l'immense solitude qu'on rencontre, et on ne la rencontre que là.
On a eu cette idée également de faire venir sur ce plateau des gens de l'expédition de 1974, qui a été une expédition finalement qui est bien sûr dramatique avec la mort de Gérard de Vessou et de ses Sherpas, mais qui est du coup un peu passée comme ça à la trappe, on n'en sait pas grand chose. On a la chance d'avoir Éric Lasserre et Denis Ducrot qui sont ici. Je vais leur demander de venir sur scène. Messieurs, je vais vous libérer pour l'instant. Et on va demander à Denis et Éric Lasserre de venir. Et Daniel Audibert ne sont pas venus ce soir, ils habitent au Bosson. Vous savez, les guides de Chamonix, surtout cette génération-là, ce sont un peu des bouches, mais dans le bon sens du terme. Ils sont timides, ils sont réservés, ils sont modestes, ils détestent se mettre en avant. Et bon, il y en a deux qui ne sont pas venus ce soir. Il y a six survivants de cette expédition, donc Denis Ducrot, Christian Mollier, qui n'est pas à Chamonix, et puis Georges Payot, tout le monde connaît Georges Payot, qui n'est pas à Chamonix non plus. Sont partis, malheureusement, Pierre Terraz, je dirais un mot sur ce qui s'est passé pour lui au camp 2, au cours de cette expédition, et sont partis également Fernand Audibert et Claude Ancé, qui nous ont quittés l'année dernière. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre Terraz et Gérard de Vessou et Sherpa? Nous avions donc établi trois camps, le camp 1, le camp 2, le camp 3. Moi, j'aurais dû, normalement, mourir à la place de Gérard de Vessou, parce que Gérard avait un panari, il n'était pas en forme, et au camp de base, il m'a dit « Éric, tu prends ma place dans cette nouvelle rotation, tu vas monter ». Moi, je ne peux pas monter, je l'ai mis aux antibiotiques pour soigner son panari, mais il était trop mal. Donc je suis monté à sa place, d'abord au camp 1, ensuite au camp 2, où j'ai passé une première nuit. Le lendemain, il faisait très très mauvais, on a passé la journée à peler la neige. Et dans l'après-midi, coup de radio de Gérard de Vessou qui me dit « Écoute, c'est formidable les antibiotiques, ça va beaucoup mieux. Je n'ai pratiquement plus mal, je suis en train de monter et je voudrais que tu me laisses ta place. Et donc toi tu peux redescendre au camp 1. Alors que moi il était prévu que je passe une deuxième nuit au camp 2 pour monter au camp 3 le lendemain. Donc c'était le chef de l'expédition, il n'y avait pas de problème, moi j'avais très envie de grimper, mais je dis ok. Et je l'ai croisé dans la descente sur le camp 1. Et à 7h15 le soir, il faisait nuit, on était en train de manger un peu avant de se coucher. Moi j'étais au camp 1 et j'ai senti tout de suite, j'ai compris ce qui se passait, un souffle absolument énorme. J'ai réussi à maintenir ma tente en place en m'accrochant à l'armature de la tente. Et quand les 45 secondes de ce souffle ont cessé, je suis sorti. La tente au-dessus de moi, j'étais seul au camp 1 avec 8 Sherpas. La tente au-dessus de moi était totalement écrasée, mais les Sherpas avaient eu le temps de sortir et de s'accrocher contre la paroi rocheuse sur laquelle on avait accroché les mousquetons, du matériel. Et la tente en dessous de la mienne n'était plus là. Et elle a été arrachée avec à l'intérieur un Sherpa, Nima, qui a été précipité dans le vide. Et qu'on a retrouvé beaucoup plus tard en bas sur le glacier, mort bien entendu. Pendant ce temps, au camp 2,
Gérard Desboisseau et Pierre Terrasse, le cinéaste, et six Sherpas ont été ensevelis par cette énorme avalanche qui est partie sous le camp 3. Au camp 3, il y avait Jean-Paul Balma et Claude Danset et ne se sont rendus compte de rien. Et Pierre Terrasse, sentant qu'il était écrasé par la tente, a cherché en vain à se dégager, mais la toile de la tente était solide. Il a réussi à passer sa main dans sa poche ventrale, à sortir la molette de son briquet, et avec la molette du briquet, il a déchiré la toile. Il a réussi ensuite à creuser la neige et il a réussi à sortir. Et il a aidé à sortir deux autres Sherpas. Il y avait deux tentes de quatre, ce sont des tentes doubles, deux et deux. Il y avait donc une tente avec quatre Sherpas, et puis la tente avec Gérard Desboisseau, Pierre Terrasse et deux Sherpas. Pierre Terrasse et les deux Sherpas ont réussi à sortir. Et tout de suite, ils se sont mis à gratter, à creuser pour essayer de sortir Gérard. Ils n'ont pas réussi. Ils étaient à 6500 mètres d'altitude, en petite tenue pour dormir. Très vite, le froid les a pris. Ils n'ont pas pu l'extraire. Et ça a été le grand drame pour Pierre Terrasse. C'est de n'avoir pas réussi à sauver Gérard Desboisseau. Oui, merci pour ce témoignage avec la CR. Denis Ducrot, toi tu as vécu ces choses-là comment? Tu étais dans des camps plus hauts ou à l'inverse en bas? Tu filmais? Comment ça se passait? Ah non, moi j'avais été invité plus jeune dans cette expédition en tant que grimpeur. C'était Pierre qui s'occupait des images. Gérard m'avait bien fait comprendre qu'on comptait sur moi, en gros pour le trio de jeunesse que je faisais, que je constituais avec Daniel et Jean-Paul. Et moi j'étais en bas à ce moment-là, on a ressenti au camp de base le souffle de l'avalanche, tout a bougé énormément, on a compris quelque chose. Bien sûr, c'est que le lendemain qu'il faisait nuit, c'est seulement le lendemain. Quand on est monté, d'abord on a trouvé cet énorme mur de neige beaucoup plus près qu'on ne pensait du camp base, beaucoup plus large et beaucoup plus haut qu'on n'aurait jamais imaginé. Et là on a compris que c'était tellement gigantesque et qu'il y avait quelque chose et que vraisemblablement il allait y avoir un prix très cher. Très cher. Et on a entendu Eric au camp 1, on est monté le plus vite possible au camp 1, je crois qu'on se serait fait exploser la pompe. Et on est redescendu avec ceux du camp 1 qui avaient survécu. Et pour nous, c'était perdu. Quoi. On avait encore le camp 3 qui ignorait ce qui se passait. Et au camp 2, d'après ce qu'on entendait, il n'y avait plus rien à espérer. Et quand on a eu le message de Pierre qui avait réussi à descendre en attachant les crampons sur les chaussons en duvet parce qu'il n'y avait plus de godasses ou quoi que ce soit, on était fous de joie, on est remonté une nouvelle fois pour aller les accueillir. Voilà, quoi, ça s'est terminé de la façon la plus tragique qui soit. Mais bon, c'est la montagne. Je ne sais pas quoi vous dire, en plus tout ce qui a été raconté est tellement juste, tellement vrai sur les envies de sommet, sur ce qu'on peut fantasmer, ce qu'on peut projeter quand on est jeune en se disant allez à l'Everest peut-être, les premiers Français aussi, ça aurait pu être nous, mais la montagne n'a pas voulu, c'est tout. Alors, je suis retourné longtemps après avec Jean-Rafa. Sur cette vallée du Kumbum, et puis on avait commencé à Darjeeling, à filmer. Je le filmais sur la route des Sherpas. Ça se passait très très bien, Michel Pelé aussi, mais le long de la vallée du Kumbum, quand on croisait systématiquement les Summiters qui s'auto-congratulaient les uns les autres, de Summiters à Summiters, c'était bien plus tard. Ils étaient beaucoup plus nombreux, les Summiters en question. On se dit que voilà, il y a des moments, Monsieur Mazot, on aimerait bien être à votre place, quoi.
rajouter quelque chose à propos de Gérard qui me tient très à cœur. Bien sûr. Gérard était un très grand guide qui avait fait de formidables opérations de secours en montagne. Il était très charismatique. Il était adjoint au maire et c'est lui qui a fondé la maison de la montagne. Ça fait 44 ans qu'il est mort et en 44 ans, la compagnie des guides ne l'a jamais honoré. Elle honore chaque année un ancien guide ou un moins ancien, mais Gérard Levasseur n'a jamais été honoré. Et ça, c'est une chose que je regrette beaucoup. Je tenais à le dire ce soir. Eh bien, le message est passé. Merci. J'aimerais juste demander quelque chose. C'est le Hunt qui avait dirigé l'expédition à l'Everest en 1950 qui avait déclaré quelque chose comme « Enlevez le risque et vous en verrez, il n'y aura plus d'alpinisme ». Le risque, c'est une dimension importante. Non, on ne fait pas de la montagne, à mon sens, uniquement pour le risque. Mais si on fait de la montagne, on doit savoir effectivement qu'il y a des risques. Il y a d'abord des risques qui dépendent de soi-même. En face d'un passage difficile, où on passe ou on ne passe pas. Il y a aussi des risques. Le risque qui dépend de circonstances externes, les avalanches, comme celles qu'ils viennent de décrire lors de leur expédition, voire les chutes de Sérac, des dangers objectifs qui sont là et ajoutent effectivement à l'incertitude de la montagne. Mais qu'on ne dise pas qu'on fait de la montagne en fonction des risques qu'on prend, le risque immanent pour l'alpinisme, dans la mesure où il fait des choses difficiles, où il sort un peu de l'ordinaire, mais il ne fait pas de la montagne pour affronter le risque. C'est le risque qui s'affronte peut-être à l'alpinisme lui-même. Mais ça fait partie, effectivement, des éléments de ce grand jeu qui est celui de la montagne. Et je ne dis pas qu'on aime la montagne pour le risque, mais on aime la montagne sachant qu'il y a incontestablement des risques. C'est pas tout à fait... L'alpiniste n'est pas tout à fait celui qui conduit à 250 ou 300 km à l'heure une moto de course, dans la mesure où là il sait qu'il prend des risques, donc il n'est pas le seul responsable, dans la mesure où c'est peut-être l'engin lui-même et la mécanique qui cause le risque et qui entraîne la mort de l'individu. Merci à vous, messieurs, et on va maintenant, effectivement, appeler sur ce podium. Alors, je vais demander aux plus jeunes sommiteurs de l'Everest, aux gens qui ont fait le sommet, il y a moyen de dire ça bien. Donc, aux gens qui ont fait le sommet de l'Everest, je vais prendre d'abord une petite fournée qui a fait l'Everest en 90. Le 4 et 5 octobre, donc Yves Sapino, Éric Decamp, Christine Janin, Pascal Tournaire et Alain de Seize. Si vous voulez être présent. Ah, il y en a un peu de voilà, Christine. Reste là. Christine, Yves Sapino, Pascal Tournaire, excusez-moi, Alain de Seize, Pascal Tournaire, Éric Descamps. Viens, Pascal, viens. Ils sont gravés les restaurants. Bon, c'est parfait. Eh bien, moi je vais vous poser tout ce qui est la question un peu. C'est comment s'est passé le sommet, le moment du sommet. Allez, Christine, on commence par toi. D'abord, c'est un grand moment. J'étais avec Pascal et on était parti de 7000. On a continué à 8000. Alors là, j'ai pris une petite bouteille d'oxygène, lui un petit peu plus loin. Et puis on a continué. C'est vrai qu'à 8005, on s'est posé la question est-ce qu'on continue ou pas parce qu'il commençait à faire tard. On est arrivé à 16h45. Et là, il y a deux sentiments. Il y a un sentiment waouh, on a fait quelque chose. Enfin, moi, j'ai fait
un sentiment de quelque chose d'irréel, de quelque chose d'énorme. Alors moi, je n'étais pas l'infini, j'étais aussi le médecin de l'expédition. J'étais là un petit peu par hasard. En fait, j'avais commencé il y a 10 ans un premier 8000 un peu par hasard. Et puis, il y a un grand sentiment aussi de il faut redescendre très vite et un sentiment un peu de peur. C'est-à-dire que je n'ai pas gagné là-haut, j'ai gagné quand je serais redescendue et on se rendait compte quand même au coucher du soleil que ça allait être très très limite. Voilà, donc c'est un sentiment très étonnant et pas du tout un sentiment de voilà, on a gagné. Voilà, moi j'ai eu un sentiment d'un truc waouh, un peu énorme et qu'il fallait redescendre. Et puis après, ben voilà, la vie change. Il y a le avant et le après Everest. Comment on vit avec ça? Qu'est-ce qu'on devient? Ça fait 25 ans que j'essaie de redescendre de là-haut. C'est pas très simple. Parce que vous, pour les gens, vous êtes différents. Alors j'ai eu la chance de le transformer en, voilà, en utilisant l'Everest un peu comme un grand message, une belle symbolique d'aller au plus haut, surtout pour des gens qui ont des cancers. Donc voilà, ça fait 25 ans que j'accompagne des enfants qui ont des cancers et maintenant des femmes qui ont des cancers du sein. Voilà, c'est un peu un karma pour moi, ça a été une mission peut-être. Je crois qu'on ne va pas là-haut par hasard. Moi, j'ai jamais voulu aller à l'Everest. Hein. C'est arrivé, on m'a demandé. Moi, j'ai dit oui, chaque fois, je dis oui. J'y suis allée et voilà, j'ai eu la chance de grimper avec Pascal. On n'était pas encordés, on était ensemble. Pas encordés, on était seuls dans l'eau. Il y avait Marc Bataf, qui était le chef de l'expé. C'était encore le temps où il n'y avait pas encore trop de gens, surtout à cette heure-là. À 17h, il n'y avait personne. Voilà, donc on a eu beaucoup, beaucoup de chance, une météo incroyable, pleine lune, pas de vent. Voilà, je crois que le jour, les vrais, c'est un peu ça, il faut être au bon moment, il faut avoir la chance d'être là. Eric était passé juste avant nous, on l'a croisé à la descente. Voilà, ça fait partie des cadeaux de la vie. Mais après, il faut vivre avec. C'est pas toujours que ça, mais c'est un beau cadeau quand même. Ouais. Merci. Cette ascension extraordinaire, presque de nuit. Christine a presque tout dit, mais bon, c'est vrai que c'était un moment exceptionnel. On a bénéficié de conditions météo vraiment favorables. Petite frustration d'avoir dû piquer une bouteille d'oxygène à un Sherpa qui descend avec Eric, un petit fond de bouteille, mais ça avait permis à l'époque, j'étais engagé par Marc Bataf pour pouvoir faire les photos de son bivouac, entre guillemets, au sommet, qui était très difficile puisqu'il a décroché vers une feuille de l'argent au col sud à 22h. Et il a eu le mérite de décrocher là-haut alors qu'il avait le nez gelé, la cornée qui commençait à vibrer. Enfin bref, lui il a réussi sans ox. Moi le fait de mettre le groin là sur la bouche, ça fait une énorme différence à 8005. Et j'ai vu que mon film était cassé. Et alors je pensais que tout allait bien. Donc ça m'a permis de sauver quand même mon reportage. Et je pense que j'ai dû faire les premières photos pro au coucher de soleil là-haut. On avait eu la chance de croiser Eric qui nous avait conseillé quand même de revenir avant la nuit totale au sommet sud. Et c'était très sage de sa part. Et là, enfin, arrivé au sommet sud, on a abandonné Marc là-haut à son sort. On a pu bénéficier d'un coucher de soleil formidable, d'un lever de pleine lune au-dessus de la mer de nuages. Enfin, ça a été le moment. Voilà. On demande la permission de passer, ça passe, on a gagné, quoi, c'est extraordinaire. Ouais. Bon. Pour le moment qui reste, Soudan. Oui, bon, bah, j'ai une chance inouïe, bon, je travaillais sur une expédition commerciale, hein, avec des clients, et au moment où tous les camps étaient équipés, je me trouvais au camp 3. À ce moment-là, il y avait beaucoup de vent. Bon, à l'époque, pour voir s'il y avait beaucoup de vent, on avait une longue vue, on n'avait pas de routeur. Ça a évolué depuis. Et donc, je sentais que si je redescendais plus bas au camp 2, qui était le camp de base avancé, j'aurais peut-être plus l'énergie de faire une tentative. Donc, je suis monté tout seul au camp 4. Hein. Mon équipe qui était au camp 3 essayait de descendre, influencée par la plupart des gens qui descendaient.
Et arrivé au camp Catch, j'ai rencontré Alex Lowe et Dan Pulver de l'expédition américaine. On s'était croisés plusieurs fois sur la cascade de glace, etc. Et ils m'ont accueilli, j'étais à quatre pattes, hein, au-dessus, parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et le lendemain matin, on a fait notre tentative, vers 6h, il y avait trop de vent. On s'est dit, bon, c'est raté. Puis vers 8h30, Alex Lowe est sorti, il a dit tiens, le vent est un peu moins fort, on va tenter, on va partir, on va monter un peu plus haut, on va aller à 8002, à 8003, on verra bien. Et on est monté comme ça jusqu'au sommet. Hein? On est monté comme ça jusqu'au sommet, c'était assez incroyable, hein? Inouï. On était les premiers de la saison en plus, hein? Donc, tout seul au sommet. Et on s'est attendu, donc c'était quand même une super cordée sans corde, parce qu'on n'avait pas de corde, c'était trop lourd, il fallait qu'on fasse la trace. On avait de l'oxygène, et on est redescendu comme ça ensuite, on a redormi à 8000 mètres. Donc ça, c'était une aventure très forte. Quoi. Ouais. Improvisée, totalement improvisée, avec des gens que je connaissais un peu, mais voilà. Alex Lowe, c'était quand même une belle pointure. À l'époque, il n'était pas tellement connu. Après, il a fait une chose incroyable. Hein. Ouais. Et alors toi, non, de 16, donc... Bon, la question, c'est, raconte-nous ton moment de sommeil. Écoute, tu étais avec un parapente ou pas? Pardon? Tu étais avec un parapente? Oui, moi, en fait, j'y allais pour voler du sommet en parapente. Donc, voilà, tiens, c'est moi. Ouais. Une photo qu'avait fait Denis à l'époque. Donc là, je décolle du col sud. On voit toute la pompe ouest et le coin de base dans les nuages. Moi, j'y allais pour voler. Donc, moi, j'avais un peu trop de vent au sommet. Donc, j'ai dû redescendre au col sud. Et je me suis posé au coin de base. Le Sherpa, le Serda m'a porté le plateau de thé. C'était assez rapide. Voilà, super aventure, beaucoup d'émotions. Toute la clique. Ouais. Voilà. Très beau souvenir. Merci. Ouais, bah, je crois que... Ce qui me fait penser que quand même Jean-Marc Bourdin avait fait le premier vol depuis le sommet de Brest en 1988 et qui lui aussi c'est un bel exploit de Pierre Bernier et c'est plus roche en vol biplace depuis le sommet de Brest, mais côté nord. Et c'était très très beau vol. Éric, ton moment de grâce au sommet? S'il y a un moment, c'est plutôt juste avant. Et c'est pas un moment, c'est du résultat. C'est, je pense, à peu près les 40 dernières minutes où je me disais, bon, ben là où je suis, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas. Et c'était étrange parce que le souvenir que j'en ai, c'est forcément assez exaltant de se dire, voilà. Mais en même temps, j'avais envie de savourer. C'était une forme un peu paradoxale d'exaltation tranquille. Quoi. Et que j'ai trouvé presque plus intéressant que le sommet est très bien. Mais bon, voilà. Ça y est, hein. Mais quand ça y est pas encore, c'est encore meilleur. Merci. Alors, on va faire venir d'autres personnes qui ont fait l'Everest un peu plus tard. J'ai fait venir Bernard Muller, qui a fait l'Everest en 2001, le 22 mai exactement. François Palland, qui a fait l'Everest aussi le 22 mai, là en 2003. Et Pascal Jouy, qui a fait l'Everest en 2007, à 18 mai. Vous avez vu, ça se passe toujours en mai. Et j'ai oublié Denis Pivot. Bien sûr, Denis Pivot vient chercher. Alors, je ne sais pas comment j'ai pu oublier Denis Pivot, parce qu'en plus, nous avions organisé avec Jean-Del Roche une expédition mémorable ensemble. Et je ne peux que me rappeler combien Annie Pivot, ton épouse, qui est médecin, avait atteint 8760 mètres sans oxygène. 8700. Oui, 8700. J'exagère toujours. Alors,
Messieurs, pareil, je vous demandais votre moment de sommeil. Bernard, c'était pas la première tentative que tu faisais sur cette épreuve. Alors, non, effectivement, c'était pas la première tentative. Et lorsque je suis monté au sommet, c'était en 2001. C'était par le verso tibétain. Voilà. Alors, effectivement, oui, bon moment. Hein, alors, bon, ce qui était particulier pour moi, c'est que je partais comme organisateur, comme guide organisateur. Et effectivement, lorsqu'on organise une expédition comme ça, lorsqu'on part comme guide, on a tout de même la responsabilité de l'expédition. Donc voilà, oui, ça a été un très bon moment pour moi, mais c'est tout de même ce type d'organisation, il y a quand même une certaine tension. Bon, voilà. Ces expéditions que vous organisez à l'Everest ne sont pas tout à fait faciles. Quoi. Voilà. C'est pas parce qu'on a payé beaucoup qu'on est sur le sommet. Effectivement, non, c'est pas parce qu'on a payé beaucoup qu'on est sur le sommet. Ceci dit, les aspects commerciaux sont très critiqués. Les gens qui, enfin, en tout cas, moi j'ai partagé un certain nombre d'expéditions commerciales à l'Everest et sur d'autres sommets avec des gens qui avaient même de réelles capacités techniques et qui étaient tout à fait à leur place dans ce type d'aventure. Hein. Moi j'ai eu la chance de faire pas mal de montagnes. Mes premiers sommets himalayens, je les ai faits avec déjà un Laurent de la Ferrière, etc. Je les ai faits en amateur, si je puis dire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu envie de partager ce qu'on pourrait appeler la passion himalayenne avec d'autres personnes. Et c'est là que je me suis mis à organiser des expéditions dites commerciales. Pas toujours simple au départ. Hein. J'ai souvenir tout simplement d'une grande discussion avec Pierre Bégin dans les années, enfin c'était en 86, avant que j'organise ma première expédition au Gachéron 2, Pierre me disait, ouais Bernard, ce genre de truc tu ne devrais pas faire, la haute altitude, c'est notre. Le guide c'est celui qui va devant, mais pour moi le guide c'est plus celui qui permet à d'autres de vivre leur rêve. Parce que bon, voilà, il y a ce rêve de l'Himalaya, comme il y a le rêve du Mont Blanc. Toujours aux gens, oui, si vous avez ce rêve, c'est formidable. Maintenant, si la montagne ne vous fait pas rêver, vous êtes plus heureux les hommes, parce qu'effectivement, la montagne est dangereuse, et voilà, faire de la montagne, c'est. Il faut faire de la montagne si cela correspond à quelque chose de pour vous. Voilà. Denis, merci, Barbara. Moi, c'est un peu validé aussi avec Bernard et avec Annie, mon épouse. En fait, elle avait fait une spécialisation de médecine de montagne à l'INSA. Et à la fin du stage, il y a quelqu'un qui est venu dire « Je cherche un médecin pour aller en expédition. Est-ce qu'il y a un médecin qui est intéressé ?» Et cette personne, c'était Bernard. Et il n'y a qu'une personne qui était intéressée, c'était ma femme, qui lui a dit « Moi, je veux bien partir en expédition, mais je ne pars pas sans mon mari, qui est guide, ça peut servir. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvé donc le jour du sommet avec quatre clients. Et moi, le souvenir du sommet, c'est surtout passer le Rosso Hilari. Je savais de tout ce que j'avais lu sur l'Everest que tous ceux qui avaient passé le Rosso Hilari à cette époque étaient toujours arrivés au sommet. Et je me suis dit, si je suis allé jusqu'à là, je ne pourrais pas être plus mauvais que les autres. Et surtout, je ne peux pas être le premier d'histoire qui passe le Rosso Hilari et qui n'arrive pas au sommet. Donc maintenant, il faut que je continue jusqu'en haut. Et c'est vrai que je partage ce que dit Eric, passer le Rosso Hilari, c'est vraiment facile, c'est quelques petites bosses, et puis il y a une bosse où il y avait des gens qui étaient arrêtés, donc j'ai supposé que c'était le sommet. Et cette montée lente vers le sommet est un souvenir magnifique. Donc Annie, elle refusait absolument l'oxygène. Montée jusqu'à 8700 mètres, là, elle m'a attendu.
Et à la descente, on est redescendu ensemble. Et le beau souvenir aussi, c'est le coucher de soleil. Lorsqu'on est arrivé à la tente, il y avait un coucher de soleil sur le macadam, où on était aussi allé en expédition, et qui était vraiment un souvenir aussi émouvant que le soleil. Merci Dominique. Pascal Jouy, donc le sommet c'était le 18 mai 2007. Oui, il faut une différence. On a eu la chance de pouvoir monter une. En fait, on était deux gendarmes secouristes en montant. Mm-hmm. Et on a. Donc, j'étais chef d'expédition, on a monté une expédition de 7 personnes en 2007. Et on est passé par le versant chinois, par le Rhône. Et là, pareil, des conditions exceptionnelles. Nous, nous disposions d'un routeur qui était à Chamonix, qui est à l'île d'Anna. Qui est le routeur de l'Ivresse. Le plus qu'on connaît, et donc on a eu la chance d'avoir des conditions météo exceptionnelles, pas de vent, température clémente de moins de 25. Donc, tout parfait pour avoir de bonnes conditions au sommet. Quant aux sensations au sommet, en fait, pas grand chose sur le moment, parce qu'en fait, on est tellement concentré sur tout un tas d'autres choses que les sensations, c'est après. Mm-hmm. En fait, je pense un peu à ce qu'a dit Christine Canet, parce qu'en fait, je crois que c'est capable de ça. Peut-être au sommet, avec une chose en tête, c'est vite redescendre et que tout se passe bien. Redescendre. C'est Hilary qui disait on a réussi le Brest quand on a atteint le sommet et qu'on est descendu vivant en bas. Oui, et en fait, le Brest, on n'a pas vaincu le Brest. Le Brest qui nous a laissé monter en haut, surtout. Ouais. Merci, Pascal. Alors maintenant, je vais demander à quelques autres personnes, passant au Sherpa, qui a fait. Et puis Nathalie Lamoureux, qui est journaliste et qui a fait également le sommet du Brest après quelques tentatives poussées. Elle a réussi ce challenge. Merci, Pascal.
dernière note. Nathalie, vous êtes journaliste dans un journal Le Point, je crois. Le Point. Le Point, exactement. Et vous avez été, donc, après quelques tentatives, vous avez réussi les masses, avec également un Sherpa qui s'appelle Passant. Sherpa Passant, oui. Alors, on va rappeler que le Sherpa s'appelle beaucoup Passant, parce que les Sherpas prennent très souvent les noms des jours de la semaine. Oui. Et Passant, je crois que c'est mardi. Non, ça c'est vendredi. Je me trompe. C'est mon nom, c'est Passant Tagué Sherpa. D'accord. Passant, c'est beaucoup. Passant Dawa, Passant Sima. Passant, c'est jeudi, vendredi. Vendredi, c'est Passant. Merci pour cette précision. Nathalie, donc avec un autre Passant Sherpa, vous avez réussi cette masse. C'était là aussi un moment très fort pour vous. Ah oui, parce que je suis allée comme quatre fois. Donc deux fois par la face tibétaine et deux fois par la face népalaise. Et moi, en fait, l'Everest, ça n'a jamais été un rêve. J'y suis allée parce qu'un jour, j'ai accompagné un alpiniste qui m'a demandé de tenir son journal d'expédition. Et puis il m'a dit, pour te remercier, je vais t'envoyer à 7000. Moi, je dis chouette. Bon, il se trouve que quelques mois auparavant, j'étais à la Concagua, j'avais un mal des montagnes. Mais d'ailleurs, c'était avec toi, Jean-Michel. C'est vrai. Tu m'as fait le sommet, et moi, j'avais été malade. Et donc, comme il m'avait proposé en fait, de monter à 7000 mètres, je me suis dit, ok, génial. Sauf que j'avais aucune technique alpine, je savais, j'avais jamais mis de crampons et j'ai fallu lui arracher un œil avec les crampons. Donc il m'a dit, bon, il m'a emmené jusqu'à 7000 mètres, il m'a dit, bon, maintenant tu peux aller faire une école de glace et puis tu pourras aller peut-être un petit peu plus haut. Et moi, c'est vrai que quand je suis arrivée à 7000, je me suis dit, bah, si je peux aller à 7000 sans oxygène, peut-être que je peux aller à 8000 et même au sommet. Donc du coup, moi, dès le début, l'oxygène, je ne voulais pas en prendre. Déjà, je ne voulais pas prendre de mettre de masque. Je trouvais que c'était quelque chose qui était très lourd, qui me gênait. Et donc, pendant plusieurs années, j'avais suivi un entraînement pour essayer de faire des tentatives sur l'oxygène. Donc, je suis allée jusqu'à 8003. J'ai passé une nuit à 8003. Et puis après, il fallait quand même un petit peu conclure parce que l'Everest aujourd'hui ça coûte quand même assez cher. Hein. L'expédition ça coûte 20 000 euros. J'avais fait des prêts à la banque. D'ailleurs j'ai fait toutes mes économies. En même temps, l'argent, bon, les dettes en fait on peut les éponger, mais ce qui reste c'est les souvenirs après. Comme ça ne marchait pas du côté tibétain puisqu'il faisait assez froid, il est très bien, mauvaise position météo. Puis j'avais envie de changer de phase, donc il y a mon guide qui me dit, excuse-moi, on va aller du côté Népal. Et puis là, j'ai pas beaucoup de chance, je suis montée jusqu'à 2007. Et là, je me suis fait souffler par une rafale, j'étais avec un autre guide qui avait des problèmes de masque. Et je voyais bien que ça allait pas. Et c'est là que j'ai découvert qu'il n'était jamais allé au sommet. Et moi, je ne voyais pas y aller toute seule. Et là, je lui ai dit, écoute, on va redescendre. Donc, on était quand même à 1700 mètres. Puis, bon, c'est vrai que j'ai perdu 20 000 euros, mais c'est pas grave, je veux dire, à un moment donné, c'est du papier. Hein. On est à un moment donné, quand on a pris l'engagement, je dirais, d'aller jusqu'au bout de ses rêves, finalement, l'argent, c'est très important. Sauf que, après, bon. On ne peut pas non plus, au bout de 4 ans, ça commence un petit peu à peser. Puis j'ai eu la chance de réussir au sommet en 2013. Et c'est vrai que c'était quand même les derniers moments étaient extrêmement difficiles. Ce qui était difficile, c'est quand je suis arrivée au sommet sud, quand j'ai vu le Rousseau de la vie. Et là, j'ai eu une vision de quelque chose de terrible. Et je me suis dit, passons, on redescend, je ne veux pas y aller. J'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur parce que j'ai eu l'impression d'être dans le film Tragédie et l'Everest, avec toute la fatigue. Ça avait pris des proportions assez phénoménales. Et du coup, je voulais redescendre. Et là, il m'a pris la main. Il m'a dit, on y va. Et puis, voilà. Et tu es arrivé au sommet. Voilà. Et quand je suis arrivée au sommet, je n'ai pas crié victoire. Comme Christine Jeannin l'a très bien dit, le sommet est au camp de base.
c'est vrai que la descente a été épouvantable. J'ai mis, je crois, autant pour monter que pour descendre, c'était vraiment un enfer. Mais vraiment, parce qu'en plus, il y avait des problèmes, des personnes qui n'étaient pas bien, on a dû faire un petit peu de secours en montagne, Donc, je vais raconter une autre histoire. C'est passé. C'est l'histoire d'un échec, effectivement, mais l'histoire est assez intéressante. Il y a plusieurs participants à cette expédition dans la salle, dont un certain Jean-Michel Assemin, ici présent, Éric Decamp, Jean-Pierre Bailly. Il y avait plusieurs femmes, dont une chère Véronique Péria. Voilà, donc l'histoire, c'est. On avait créé avec mon ami Michel Vincent, guide également, une petite association fondée sur la haute altitude, c'était altitude extrême. Et puis on a fait plusieurs 8000, qui s'étaient bien passés, et puis c'est Michel qui a eu l'idée en disant 1789, ça serait bien si on faisait l'Everest pour célébrer la Révolution française. Bien intéressant. Et puis, justement, l'Everest, une particularité, c'est qu'il a un côté tibétain, donc un côté chinois. Parce que je vous souvenais que 1950, la Chine a envahi le Tibet. C'est un scandale humanitaire absolument invraisemblable qui dure toujours. Et certains hommes politiques ne voudraient pas les défendre. Ils aiment bien la Chine et son régime oppressif. Bref, on a dit on va le faire côté chinois, côté tibétain, et on va emporter au sommet la déclaration des droits de l'homme. Très bonne idée. On a fait un curé chez Charlet qui était coupé en deux, dans lequel on insérait la déclaration des droits de l'homme pour arriver au sommet et pouvoir montrer à la Chine la déclaration des droits de l'homme. Manque de chance, on n'a pas réussi. Mauvais temps, 1989, mauvais temps tout le temps, tout le temps. Et le reste, cette année, n'a pas été gravi, ni par un versant classique népalais, ni par un versant tibétain. On a beaucoup souffert du mauvais temps, pas trop moi, parce que je n'étais pas trop en haut, parce que je me débattais avec les officiers de liaison chinois qui nous empêchait de faire tout ce qu'on voulait faire. Mais quand même, il y a eu deux tentatives poussées, dont faisait partie Jean-Michel Assemin, qui sont montées à 8004. Il y a des tempêtes épouvantables, de la neige au-dessus du genou. Ils sont redescendus au camp. Il y avait un camp à 8000, pratiquement tout le monde était. Ils sont recommencés, ils ont réessayé. Et ils sont arrêtés de nouveau à 8000 mètres. Donc, Jean-Mi, si tu vas ajouter quelque chose. Non, c'est bien. C'est juste que ça m'a obligé à retourner 4 fois à l'Everest. Voilà. Oui, c'est formidable. Merci encore, Claude. Erhard et Jean Treulet, on va monter super vite par leur handbike et on va descendre, on va essayer de descendre en snowboard. Donc c'était des terrains et Jérôme Bobby. Voilà, des terrains et Jérôme Bobby. Et on se balade tout ce qu'on veut. Déjà, on avait réussi à emprunter juste l'argent qu'il fallait. On avait 3 Sherpas, les 3 Sherpas de Nga, de toute façon cette année, le sommet ça ne fera pas. Les dieux l'ont dit.
Donc déjà, nous, on monte pas. Ben, c'est pas grave, on monte quand même. On est venu là, on va essayer quand même de faire un petit truc. Et donc l'Himalaya, c'était Christophe qui nous avait fait découvrir l'Himalaya. Voilà, on avait fait quelques sommets avec lui et on avait appris un petit peu. Et on essaye par le handbag, c'était impossible à cause des conditions. Donc on se dit, bon, on va essayer quand même de se rabattre sur l'arête nord. Et on avait emporté notre planche à neige, le snowboard. Donc on monte jusqu'à 8000, et là, voilà, j'ai, comme Christine l'a dit tout à l'heure, quelque part le sommet de l'Everest, on peut aussi en emporter un petit bout avec soi. Et c'est vrai que moi j'ai le souvenir d'André Pierre-Lem avec moi à 8000, où on dort ensemble. Moi j'ai un peu mal à la tête, mais finalement on essaye de continuer. Les conditions sont vraiment pas faciles, donc on va pas tellement plus loin. Moi, je mets mon snowboard et puis j'essaie de glisser un peu jusqu'en bas. Et en fait, le vrai sommet, il s'est fait un an après, dans ma tête, parce qu'on avait créé, avec quelques copains, un nouveau spectacle à la compagnie des guides pour la fête. Et Jean Raffat avait recréé, en fait, pour l'occasion, le sommet, votre sommet et où il repart sur cette pierre, avec son combinaison d'époque, avec le masque. Et en fait, moi, juste un an après cette expédition qu'on avait tentée, j'arrive à voir Jean, et je le vois au sommet, au moment où il recrée ça, et on sentait qu'en fait, il était encore au sommet ce soir. Et donc j'ai fait le sommet grâce à lui. Merci. Est-ce que vous pouvez une pensée, bien sûr, pour Marco Siffredi, qui était l'homme qui a snowboardé l'Everest, qui a malheureusement disparu à la deuxième ascension réussie. Christophe, toi qui as gravi le canyon par une nouvelle voie avec Pierre Béja, un exploit hors norme. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'Everest? On a connu les Russes avec qui je suis parti, avec Sylviane. On a connu cette équipe russe avec Pierre. Quand on s'est retrouvé au Lhotse, avant de réussir le canoë avec Pierre, mais d'abord vers Lhotse, on a appris à se connaître. Et on est monté très haut dans le Lhotse, en ouvrant une directissime au milieu. Et en même temps, il y avait avec nous une équipe russe qui, eux, ont réussi. Et ils ont fait la directissime de la façon de l'autre scène. Donc on s'est très bien entendu. Nous, on a essayé de repérer ça en style alpin. Ensuite, on a essayé de rejoindre leur itinéraire. Et puis on est redescendu. Bref, le courant est passé entre nous. Eux, malheureusement, ça a été quand même difficile après parce que j'ai eu pas mal de gelures. Et tout le monde est redescendu en bas, mais ça a été assez terrible. Et donc, on s'est connus là-bas. Avec Pierre, ben voilà, tu l'as dit, l'année suivante, finalement cet échec au Lhotse pour nous a été très important, quoi, de donner de la force. Et avant de retourner au K2, on a fait venir justement ces Russes ici à Chamonix, Alexander, Victor Pastour. Depuis j'ai appelé mon fils Victor, on a appelé notre fils Victor. Et on a grimpé ensemble, et je me souviens qu'avec Pierre Bégin, on a fait par la voie. La Colton, Bruce Colton en droite, on était tous les trois. Il y a quelques images qui ont été faites par Fischer Paz. J'aimerais bien revoir d'ailleurs, ça remonte à loin. On était Pierre, Alexander, et c'est Alexander qui était le chef de cette expédition, d'une expédition qu'il a montée donc en 90 sur la face sud-ouest de l'Everest. J'aurais bien sûr voulu repartir avec Pierre l'année suivante, après le K2. Parce que cette aventure au K2, pour moi, ça a bouleversé ma vie. Ça m'a construit, ça m'a façonné, ça fait ce que je suis maintenant vraiment heureux en montagne et j'ai énormément de plaisir à rencontrer dans une soirée comme aujourd'hui de passionnés. Bref, ça a été un bouleversement de faire ce K2 avec Pierre. J'aurais tant aimé repartir. À cette époque-là, j'ai eu quelques problèmes dans ma vie, enfin des soucis, et je ne pouvais pas repartir. Donc,
avec Sylviane, on a eu cette proposition des Russes, d'Alexander, ils nous ont dit venez avec nous, tous les deux, Sylviane et moi. On va faire, on a un projet sur le bassin sud-ouest, donc j'ai accepté. Mais d'ailleurs, c'est pour moi très bizarre d'accepter, parce que j'avais refusé à Pierre quelques mois avant. Mais après, c'est pareil, j'ai voulu notre histoire avec Sylviane se terminer, j'ai voulu peut-être. Bref, on est reparti ensemble. C'était une expédition lourde. Et là, bien sûr, c'était des moments incroyables parce que ça m'a fait aussi du bien de rencontrer ces gens avec une motivation incroyable. Et donc, on s'est arrêté. Alors, eux, nous, avec ces gars, on s'est arrêté vers. On n'est pas monté très haut, 7009. Et les plus hauts sont montés. Ils sont montés vers 8003, là ils sont arrêtés avec un vent très très fort. Ouais, bon, je garde, même s'il n'y a, pas eu de réussite, mais on est, ça m'a montré, c'était pour moi une expérience fabuleuse de se retrouver comme ça, des gens ultra motivés, extrêmement forts. Ils sont montés à 8003, ouais, ça fait, on a été très impressionnés, quoi. Puis après on est redescendu. Ouais. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Une histoire exceptionnelle. En plus, au-delà de l'estime, j'ai une profonde amitié pour lui. Ce qu'il a fait pour des générations d'alpinistes, pour plus jeunes que lui, et c'est un exemple. Pour moi, Christophe, c'est un exemple de la montagne, quoi. Qui a fait beaucoup. Et c'est ce qui me permettait d'écrire modestement que, en prenant évidemment la métaphore de Lionel, de Lionel Thierry, finalement, parfois c'est une sorte de sacrifice qui n'est pas inutile, mais qui est bien utile, et notamment pour les plus jeunes. Alors, merci pour tout ce que tu as fait. Et merci encore à tous d'avoir porté le rapport. Bien, merci à tous, merci surtout à Pierre Mazot qu'on peut applaudir très fort. Tous ceux qui sont sur scène et qui ont avec émotion raconté leur histoire. Merci évidemment à Chamonix et à la Lumérie qui a su nous accueillir vraiment très 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 bien. On les remercie, c'est vraiment sympathique. Merci bien sûr à la Maison Guérin qui, une fois de plus, était là pour parler de montagne avec des montagnards, et ça c'est formidable. Merci à tous pour votre venue. Merci cher public.